Pentecôte, vous avez dit, nous y sommes avec cette émission spéciale consacrée à cet événement. Qu'est-ce que la Pentecôte? C'est bien la question qui va rythmer les échanges que nous aurons avec notre invité qui nous vient directement de l'Hexagone de France où il exerce son ministère de pasteur, Franck Le Filâtre. Shalom. Bonjour, shalom. Le grand Jean s'est levé, Dieu nous a visité. Chantons gloire à l'agneau. Qu'est-ce que la Pentecôte? Dans la tradition juive, cette fête rappelle le don de la Torah, mais nous pourrons y revenir, donc le don de la loi. Bien sûr, pour nous chrétiens, la Pentecôte, c'est autre chose, c'est le don du Saint-Esprit, la promesse accomplie lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux dire, une église, évidemment, pour attester peut-être de sa véracité ou de sa consécration au Seigneur Jésus-Christ, elle doit forcément ou impérativement manifester la présence du Saint-Esprit. Je réponds non, dans le sens où je crois que l'Esprit du Seigneur est présent là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Et je crois qu'il y a bien des églises où même où les dons spirituels ne sont pas manifestés, où il n'y a pas le parler en langue, mais le Saint-Esprit est présent, parce que dans ces lieux, Jésus-Christ est prêché. On croit dans l'autorité des Écritures, on croit dans le salut par la foi en Jésus. La question de savoir, est-ce que nous voulons nous contenter simplement de la présence du Saint-Esprit ou de la manifestation du Saint-Esprit ? Ce samedi à 20h, avec Franck Colbert et Claudia Christie sur LMTV.